Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de DT Game et bienvenue pour le premier vrai numéro de la nouvelle série sur Farming Simulator 2019. Ouais, faut dire FS19, hein, tout simplement. Alors, comme on avait dit, alors, on a un petit programme. Les véhicules, ça y est, j'ai acheté. J'ai acheté, bah peut-être qu'il manque des trucs, mais voilà, j'ai déjà acheté. On va aller voir ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire directement? On va acheter poulailler. Poulailler. Directement, on va là, l'herbe elle est déjà poussée, hein. Il y a déjà de l'herbe. Ouais, attends. Non, mais attention, on regarde tout simplement ça, type de culture. Ok. Ah ouais, on a de la betterave sucrière et de la pomme de terre. Non, je pense que c'est juste que non, il n'y a rien. Ouais, mais c'est pourquoi ouais, c'est en bizarre ça. Attendez voir, qu'on aille voir ça. Nos champs là. Information. Ah ouais, de la pomme de terre. De la pomme de terre et l'autre. Il commence quand l'autre champ? Ah, il est là-haut. Ah ouais, bah du coup là, on va les deux les changer. Bon après, de toute façon, ça, bah, là, de toute façon l'herbe là aussi on peut la récupérer. Hein. C'est vrai que l'herbe ici, on peut aussi la... On peut en faire partout de toute façon de l'herbe au final. Ouais, on peut pas transformer... Non, vaut mieux le faire dans les champs. On va pas non plus trop se casser la tête quand on sait pas. Alors bah du coup c'est parti. Et voici. Alors on va descendre pour vous montrer un peu tout celui-là. On a pris alors un petit tracteur, un moyen tracteur. Voilà. Là, celle-là, voilà, qui enrubanne directement, donc ça facilite la vie. Du coup, ça fera des ronds. J'aurais préféré des carrés parce que déjà que je gère pas encore bien les machines et tout, alors ça va être un peu dur avec la aller avec les rondes. Faut falloir que je... pas qu'il y ait du bordel partout quoi, c'est ça quoi, pour ranger. Là du coup on a le l'endaineuse, faut pas que je me trompe, même si de toute façon j'ai déjà prévenu le premier niveau, je suis un novice, alors si je me trompe sur des noms de machines ou quoi que ce soit, voilà, à 62 000 hein, avec une largeur de 14 mètres, donc je trouve que c'était pas mal. Voilà pour faucher, et là pour semer l'herbe directement avec cultivateur pour plus tard. Ah bah non, parce que j'ai dit que j'allais faire un peu de blé aussi. Voilà, et ben du coup on va ramener tout ça à la maison. En premier, bon, on va ramener le petit, hein. Le petit tracteur. Alors, veuillez mettre en marche le moteur. Ah oui, j'ai décidé que j'allais mettre le moteur en marche quand même. Pour l'instant, je peux couper la radio. C'est vrai que là, on a le régulateur de vitesse. D'ailleurs, on n'a pas la carte. Ah, ouais. Ça commence bien. Là, c'est le premier épisode, donc je joue pas encore au volant, mais pour les autres épisodes, je joue au volant. Parce que ouais, celui-là je l'ai tourné directement après l'épisode 0. Et comment dire, j'ai pas encore pris le temps là d'aller toucher aux paramètres volants, comment ça s'utilise, et je veux pas être dans la mise en pleine vidéo s'il y a un petit souci. Ouais, ça va, c'est bon, hein, tu crois qu'il s'est passé quand même. Avec le volant ça va être génial, parce qu'à chaque fois que j'ai joué à Farming Simulator je me suis toujours dit putain, mais avec le volant ça va être terrible. Mais pour l'instant chaque jeu que j'ai fait avec le volant j'ai pas été déçu à part Wreckfest.
avance bien quand même, petit tracteur là. Bon, 25 km/h, c'est pas non plus fou fou. C'est déjà ça. Normalement, oui, on est plus là. Là, là c'est bon. Je suis pas trompé. Ne vous inquiétez pas, je ramène les deux tracteurs et après tous les autres trucs que je ramène, on va faire une petite coupure, hein. Pas vous emmerder avec ça. J'ai dit, j'aime bien que le gameplay soit intéressant en vidéo et pas chiant, lassant, on va dire que ça, on réserve ça au live. Voilà, on va poser tout ça ici dans l'air. Ouais, non, dans l'air ça risque de gêner ici. Ou après si on prend des employés, plutôt mettre ça ici là. On peut pas éloigner la caméra. Ouais, l'éloigner du véhicule, je trouve qu'elle est trop près. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elle est trop proche. Je me demande est-ce que est-ce que c'est utile ou pas de mettre de l'engrais sur l'herbe? Non, je pense pas. Ou est-ce que ça la ferait pousser plus vite? Je sais pas. Non, il n'y a pas. Caméra dynamique, je sais pas ce que c'est ça. D'accord. Non, on n'a pas. Hein. Sensibilité de la direction. Peut-être la réduire un petit peu, tiens. Non, je sais pas. Non, ça faudra que je voie par rapport au vol. Non, il n'y a pas. Ouais, je sais pas, je trouve que. Ben, c'est bizarre ça. Je suis sûr qu'avant il y avait un. Non ? C'est moi qui me bug. Mais je pensais vraiment qu'on trouvait. Ouais, mais non, je peux pas. Ah si, voilà, c'est bon. Ah. Et je me disais bien, voilà, je suis pas fou. J'ai bien compris. J'aurais dû prendre un tracteur rouge. Hein. Pratiquement tous mes outils sont rouges. Je sais pas, j'aime bien le look de ce tracteur. J'aime bien. Je trouve assez sympathique. Ouais. Les intérieurs aussi sont bien travaillés. Ça, c'est vachement cool. C'est vachement cool. C'est quand même sensible un peu la direction. Ouais, il faudra voir par rapport au volant. Après je dis pas que je vais jouer à chaque fois avec le volant. Parce que ouais, des fois peut-être que quand t'es vraiment en pleine manœuvre, tu sais que tu vas faire que ça, pour choper des bottes, machin, nourrir les animaux et tout. Du coup ouais, il y a des moments je pense que ce sera plus simple d'utiliser la manette. Putain, quand je vois aussi là le truc spécial avec tout et tout pour tout gérer là sur PC, c'est. Je me demande si non les consoles là ne marchent pas hein, sur bah les. Là ils ont un gros truc, un gros machin là, qui est pour farming là, qui, je sais plus comment on appelle ça. Mais à mon avis ouais ça doit pas marcher pour.
pour une console, hein. Il ne pourrait y avoir l'équivalent. Voilà, et ben moi, je finis de ramener tout ça et on commence. Et ben voilà, on a tout ramené, hein. Bien sûr, ouais, là je viens d'acheter des nouveaux véhicules parce que bah, hey, il faut bien que je ramène les semences et tout ça. Et du coup, on va aller le chercher. On s'est pris un de base, tu sais, comme ça on peut. Je me suis pas pris directement le 4x4 ou quoi que ce soit, comme ça on peut évoluer dans la série, vous voyez, on peut changer de véhicule. Moi j'aime bien changer, j'aime pas rester, j'aime pas tout de suite prendre le meilleur truc ou quoi que ce soit. C'était comme dans SnowRunner, Bob et pour Bob Zub, mon poteau de SnowRunner, pour en témoigner, hein. Chaque fois il me dit, ah là, c'est le camion là, regarde, c'est le meilleur et tout. À chaque fois je prends jamais les meilleurs, c'est parce qu'en fait j'aime bien tester plein, j'aime pas avoir la meilleure chose et rester que sur un camion, tu vois. J'aime bien changer. Et ben allez, une fois que j'ai raconté ma vie, il faut y aller. Et ben voilà, alors du coup on a dû acheter un Manitou. Ah t'as vu ça, je connais le nom, je me la pète. Je connais. Et deux palettes d'engrais. Et qu'on va charger, mais d'abord. Ça. Alors. Je pense que de toute façon pour l'instant on va mettre que une palette, hein. Mais... À mon avis, les deux ils peuvent rentrer. Hein. Non, je connaissais pas ce genre de levier de vitesse, c'est bizarre.
Ah oui, la direction elle est sensible de fou. J'espère que je suis pas obligé de soulever le truc. Non, 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 à côté, ça sera mieux. Tac. On coupe le moteur. Ouais, ça part vite. Ouais. 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 Aïe, aïe, aïe. Aïe. Après, un gros réservoir, quand même, hein, comme il sent. Commence à faire n'importe quoi. Ah, déjà il faudrait que je vois à peu près. Ouais, déployer. Ouais, non, ça peut être un... ouais, bien. Du coup, baisser. Je sais être français. C'est un coup. Bah, c'est quelqu'un qui sait à quoi ça sert. Ouais, je sais pas. Hein? Ah, ça c'est stylé. Mais un traceur, hein, je sais pas. Ah mais... ah d'accord. Bon, franchement j'en ai aucune idée. Il m'a dit y a pas besoin de traceur. Mais oui, chez nous on a des choses à faire. Hein. Des choses à installer. Alors maintenant, il nous faut un poulailler. Poulailler, 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 poulailler. Enclos d'animaux. Et normalement, au cas où, je vais faire une sauvegarde avant. Ouais, je crois que je vais même enlever la sauvegarde automatique, là, comme ça, ça me saoule pas, voilà. Tu vois, hop, quand je fais ça, bim. Non. Si ça devait être avant. Là, là-haut. Non, voilà. Et par contre, ça, je veux le changer, ça. Agriti. Voilà. Et du coup là, on fait notre sauvegarde. Ne tuez pas votre système. Voilà. Alors, poulailler. Normalement, c'est celui-là.
and seed and container, ça doit être ça. 40 000 ou 20 000, bah le choix est vite fait. Ah, au moins là voilà, on a ça, ça voilà, c'est ça que je veux moi comme vue, une vue du haut, c'est quand même mieux. Non? Sur la mer, ici la caméra. Pivoter. Ah d'accord. Ok. Ok. Ah je peux pas le mettre là. Pourquoi? Ah c'est compté comme un objet là. Ça. Ah ouais. Voilà. Sérieux? non, ça recommence. Pourquoi ça? Ah, il y a juste avant ça marchait là. Ok. Ah, c'est un peu posé là. Ah, ah. Mais là, ça marche là du coup. Mais c'est bizarre ça. Alors, de quel objet il me parle? Un truc est considéré comme un objet, mais je sais pas quoi en fait. Ouais. Alors attends. Tac. J'essaie de le mettre comme ça. Parce que après oui, ici tout ça, ça sera détruit. Hein. Ça sera vendu après. Hein. On ne gardera pas ici. Tu vois. Là je peux. Ouais, c'est bizarre. Mais non, du coup, on va quand même le mettre là-haut, ça sera mieux. Allez, hop, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Et on est... Ah, il y a de nouveau ce truc là. On a vu ça, c'est pas sur le terrain, on a vu, il est mal. Je vois pas de quoi, sur quoi il serait posé. C'est quand même abusé là. Là. Comme ça. Voilà. Ah, tu crois j'en mets un deuxième direct? Ouais. Pas con ça. Ah ouais, c'est pas con. Pas con hein, pour le prix. Ouais. Ouais. Tac, alors du coup, il nous faut. Ah, il va falloir aller les acheter aussi, les poules. Oui, mais il nous faut la nourriture pour poule. Nourriture de cochon, d'avoine, sac de blé, semences d'engrais chaud, big, big bag, speed, ça c'est de l'engrais, fertilisant, c'est pareil. Non. Big bag lim. Je connais pas. Ah là, il y a du blé, mais à mon avis il y a un autre truc. Hein. Y a pas que du blé. On va voir que déjà en achetant les poules, faut maintenant acheter les poules. Alors enclos les animaux, ok, ok. Mais où on achète les animaux? Cabane, silo, divers. Où on achète les animaux? Ça va. Animaux, non. Non, c'est les remorques. Les véhicules. Bonne question ça. Où est-ce que... Alors attendez 2 secondes. Bah, c'était tout bête en fait, c'était là. Faut lire un peu. Alors. Si vous ne transférez pas les animaux avec vos propres moyens, vous paierez les frais de transport, d'accord. Mais par
compte. Y a-t-il une différence avec les poules? Déjà, un coq ça pompe pas. Mais au moins, là, tu peux m'en faire. On met un coq. Un coq pour 10 poules. Ouais. Après, poule noire, brune ou truc, je sais pas si ça. Si ça. Attendez voir. Ouais, du coup, alors j'ai pas trouvé ma réponse hein, pour si les bleus ou les bleus, là, les noirs ou l'autre qui donne plus de quoi. Je pense qu'en fait c'est pareil. Alors, du coup, ce que j'ai fait, c'est que dans le premier, là, j'ai mis 50 poules blanches, 25 marrons et 25 noirs avec 5 coqs. Et dans l'autre, j'ai fait le contraire. J'ai mis 50 noirs, 25 marrons et 25 blancs et 5 coqs. Voilà. C'est bon, il y a 400 places, mais normalement, avec les coqs, avec les 5 coqs, ça devrait se reproduire. Du coup, maintenant, comment on s'en occupe de cela? Alors, les animaux. Ouh, j'ai mal compté, moi. Ouais, mais ils se sont déjà reproduits. Les poules noires, ils sont déjà à 78. J'hallucine. Ils se sont déjà reproduits. Alors, du blé et de l'orge. Ok. Propreté, comment on nettoie un enclos Je sais pas. Je sais pas. Les poules. Je sais pas, faudra que je regarde ça, tiens. La propreté, alors oui, bah, de toute façon, lui, il peut pas se reproduire, c'est un coq. Hein. Mais ouais, ça s'est déjà bien reproduit, quoi. Alors que je suis en vitesse normale. Ah ouais, j'en ai acheté 50 et quelques. Ou je me suis trompé, je crois. J'ai dû en acheter. Non, c'est moi, je me suis trompé, je suis sûr. Je n'ai pas pu se reproduire. J'ai dû en acheter 50 plus de 25. Voilà pourquoi ça me coûtait plus cher. Non, celui-là, ouais. Du coup, alors, du blé et de l'orge. Ok. Mon sac. Alors, là, on a du blé. Ok. Et de l'orge. Ah. Peut-être que ça suffit, juste. Hein. Peut-être. J'espère. Alors, 1, 2, 3, 4. Oui, les poules, vous allez avoir bientôt à manger. Ça arrive. Après, ne vous étonnez pas encore entre l'épisode 1 et l'épisode 2, il y aura eu de l'avancée. Hein. Parce que le but de la vidéo, c'est aussi de faire du farming, mais c'est aussi d'aller dans le vif du sujet, dans ce que je veux faire de ma truc. Et du coup, je vais aussi beaucoup jouer en live. Alors, à savoir que les lives sont toujours disponibles en replay, mais que bien souvent, à part les lives qui ont vraiment bien marché, bien souvent, je les mets en non répertorié pour pas que. Bah voilà, ça pollue, on va dire, un peu ma chaîne avec tous les lives. C'est des fois, là, c'est les vacances. Là, c'est les vacances scolaires, les enfants n'ont pas école, du coup, je vais faire beaucoup de lives. Mince! C'est ça que je veux faire. Charger deux, à mon avis, deux. Ouais. Alors, ça s'appelle là, téléphone sur quel côté? Mais bon, peu importe, hein. Ouais.
Ouais, c'est du blé ou de l'or, je crois, en fait. Ouais, blé, orge, ouais, c'est ça, en fait. Du blé ou de l'or, donc c'est bon. C'est bon. Meilleur blé pour les poules. Check and feed premium. Bah, ça, c'est comme si un chat pouvait acheter une whiskasse, hein, putain. Voilà, continue. Non, on va faire passer. Si je vais en mettre deux. Ah, mais du coup, faut que je revienne avec les tracteurs. Hein. Ah oui, faut que je m'achète un bras, tout ça. Hein. Acheter une remorque hein, pour les prochaines fois, ce sera plus simple que la bagnole. Mais du coup là j'arriverai pas à faire rentrer en route. Ah, attends, t'inquiète pas. Déjà que rien que là, rien que le début là ça me fait bien. Hein. Rien que cette petite séance de gameplay là, moi, le jeu me fait bien, là, vachement. Ah d'accord, j'ai compris, je crois que... Non, j'ai compris. Allez, descends, petit sac. Ah, c'est parce qu'il est pas posé. Là. Ça, par contre, c'est pas assez rapide pour tourner comme ça.
Ça, faudra que je regarde si je peux l'augmenter. Dommage qu'on n'ait pas un bouton direct pour changer la vitesse du temps. On s'y était avant, hein, je crois, sur Farming. Ah, mais ça marche comme ça? Mais d'accord. Hein? Non, au bout d'un moment, j'ai eu peur, et du coup, ça s'est pris du. Un suffit. Nickel. Bah, nickel. Si un, ça suffit, pour moi, ça me va. À mon avis, en fait, une fois que le sac est posé. Hein, pourquoi ça marche pas pour le deuxième? Oh merde, c'est bon ça. Ça marche pour un mais pas pour l'autre. C'est bizarre ça. Peut-être ça dépend du sens du sac. Vu que l'autre il était dans l'autre sens. Peut-être. Je sais pas. Ça paraît très bizarre. Ah. J'ai coincé ma voiture. J'ai coincé la voiture. Mais je ne comprends pas. Ouais. Sort de là. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que pourquoi ça marche à un moment et après ça marche plus en fait. C'est bizarre. Là, j'aimerais bien qu'il se. Allez, vite. Ah, il veut pas. Hein. Ça veut pas. Non, ça veut pas, ça veut pas. Hein. Putain, dommage, hein, l'autre ça a marché direct comme ça, du premier coup, il n'y a pas eu de souci. C'est vraiment bizarre. S'attarder non plus longtemps là-dessus, hein. Parce que là on va aller chercher, je sais pas si on peut lui mettre quelque chose devant, je sais pas, on va bien voir, j'espère. Du coup on trouve ça où? Tout ce qui est bras machin, on trouve ça où? Faneuse, herse. Ouais, ça c'est une bonne question ça. Ah, voilà. Chargeuse avant. C'est un quoi comme marque, moi, mon tracteur? Ouais, c'est un Fiat, je pense pas que de toute façon ça change quelque chose. Mais je sais pas du tout
Ça, c'est pas dit en fait, si on peut ou pas. Ah, une chargeuse avant peut être attelée, ouais, d'accord, on peut pas sur celui-là. Sur celui-là, on peut pas. Et sur l'autre là que j'avais là, est-ce qu'on peut? Ouais, celui-là, oui. Du coup, faudra aller en chercher une. Ah, faudra quand il a fini l'autre le champ. Ça c'est pas mal. Ouais, bon. Alors, chargeuse avant. Putain, et ça peut être pas mal, hein. Choper les trucs avec ça à la place, non? Ouais, on n'a pas le. Ah si, là. Lève palette. Pique palette. Bon, alors nous. Quelle est la différence? 150 HP. 152 HP. 90 HP. Je sais pas trop, ça représente quoi. On va prendre celui-là. À mon avis, c'est la longueur. Celui-là un peu plus long, peut-être. Ah, on peut modifier la couleur. Un peu plus foncé. Ouais. Non, je l'achète. Et. Lève palette, modifier la couleur. J'achète. Ok. Oh, il a bientôt fini, hein, l'autre. Hein. Bientôt fini, bientôt fini. Ah ouais, quoi, il manque un mini boule. Ouais. Un taré, toi. Ah, le fou. Fou que tu es. Stylé quand même ce petit Fiat là, j'aime bien. Dommage qu'on ne peut pas changer les couleurs. Oh, j'aime bien. Cette puissance parce que les outils que j'ai pris dépassent pas les 110 chevaux. Il a 150 chevaux, le petit. C'est parti.
On va aller chercher le brun. Dites-moi aussi, hein, s'il y a des choses aussi qui vous intéressent, il n'y a pas de soucis, on a fait. Des machins, ça, des trucs là, vous n'avez jamais testé dans Farmy. Tout ce qui est patates, betteraves, tout ça, j'ai pas testé. Tout ça. Comme ça, en même temps, on en profite, on prend un sable de poule. Quoi, il va pas? C'est pas bon. Non, il est pas bon, mon ami. Ah merde. Ah merde. Vendre, oui. Ok. Alors ce serait celui-là qu'il faut prendre. J'espère. Ça fait dépenser de l'argent pour rien aussi. Non, il est plus petit celui-là, il a l'air d'être mieux adapté à mon avis. Mais non. Bah, c'est bizarre ça. C'est peut-être moi qui me prends mal. Ah non, attends, on ne dit pas qu'il faut le bah, pas par devant, c'est... C'est con. Bah oui, il est chouette aussi. Mais par contre, ce qui est chelou, c'est que. Bah, je suis pas fou. C'est bien écrit. Tracteur moyen. Une charge à un moment peut être attelée à ce tracteur. Alors pourquoi il me la prend pas? Vas-y, je vais aussi acheter celle-là. C'est les seules qu'il y a dans le jeu. Normalement, ça c'est un véhicule du jeu. Oh. C'est quand même bizarre ça. Peut-être se trouve il y a un truc tout con, mais depuis tout à l'heure, je m'amuse à acheter, revendre des trucs pour rien. Bah non. Attendez, je regarde. J'ai compris mon erreur. La voilà. En fait, c'est quand on achète le tracteur qu'il faut directement mettre le truc. Oh, il a 102 000. Et je le revends combien le mien? On est encore qu'on rigole. Et c'est du coup, j'aimerais bien le vendre. Et je rachète le même. Mais... pas ici pour le moment. Ouais. Mais combien tu me le prends? Valeur 88 000, ouais vas-y c'est bon. C'est bon, ça fait de la perte d'argent.
Ah, comme ça aussi, là. Vendre, oui. Hop. Et cette fois-ci, hein, fait les choses bien. C'est quoi ça? Oh, marque des pneus. On aime bien cela. C'est mieux ça. Masse d'équilibrage. Ah, c'est ça. Oh. C'est bien ça. Pneu large. Ah, je sais jamais. Pneu large plus masse. Pneu étroit. Oh, moche. Roue arrière jumelée. Wow, j'adore les tracteurs comme ça, mais bon. Là, ça va plus se faire chier. Standard, ou allez, gros pneus. Pneus larges, comme ça. Ouais, elle est bien. Voilà. Ah, on a une configuration moteur. Dans tous les cas, c'est bridé à 50 ou quoi. Il passe à 175 chevaux, mais 129 000. Non. Non. Non, on va rester comme ça. Non, mais le gars, il a fait ça exprès pour ça. Et... Voilà. Ah, le voilà. Ouais, non, on aura mis hein, du temps. Ouais, bah après, quand on sait pas, c'est pas. Ouais, moi j'ai acheté le tracteur, hein, j'ai pas fait gaffe, j'avais l'option. Ah, bah, ça nous fait un tracteur tout beau, tout propre. Ok. Ah, même j'ai réglé où maintenant le problème. Ouais, c'est bon, j'ai choisi pile poil la bonne couleur en fait. Hein. Qui est fait, le deuxième champ de blé qui est en cours. Et pour un premier épisode, c'est bien, je trouve. Premier. Oula, oula. Prochain épisode, on pourra commencer par exemple à, à faire les deux champs. Là. On va faire les deux champs en balle. Voilà, on aura fait les poules aujourd'hui. Bon, je regarde encore comment ça se passe pour le nettoyage, parce que ça, alors là, une bonne question, ça me paraît bizarre, mais comment... Peut-être, ah, il y a un balai, je sais qu'il y a un balai, je crois. Non, ça va être moins évident, elle est pas très droite la caisse, là. Alors, ce qu'on va faire, c'est directement la prendre par en dessous. Tac, comme ça. Hein? Non. Un peu plus. Oui, alors non, j'ai.
c'est arrivé, vous êtes 100. Hein? Est-ce que c'est cet éleveur? Hein? Ah, là ça marche. Voilà, du coup, on peut regarder déjà un peu. Ça, c'est le premier poulailler. Hein? Ah, hein, d'accord, c'est compté pour chaque poule, c'est pas pareil. Hein? Ah non, si, c'est bon. Voilà. Ah ouais, d'accord, on peut en mettre beaucoup plus. Ah oui. Ça, je vais remplir l'argent, ça, en live. L'argent. Leur truc. Là, du coup, j'aurais même pu balancer celui-là avec direct. Ah d'accord, c'est eux, là, eux qui a eu en premier, parce qu'eux on a leur temps de reproduction. Prochain animal dans. Alors les poules doivent disposer d'un air d'animation propre, donner leur élément suivant pour des meilleurs résultats d'un le type le plus efficace. Blé, orge, efficacité à 100%, ouais, bah, c'est ce qu'on fait. Faudra attendre, ah bah après on va les mettre, hein, ils vont pas nous pondre tout de suite des trucs. Par contre là ouais, ça déjà que c'est ça. Ça va bientôt faire des bébés. Taux de reproduction dans 9 heures. Ouais, il faut qu'ils se reproduisent pour faire des œufs. Et du coup, ouais, c'est pour ça que 5 coques en fait. 5 coques. Ouais. Un coq pour combien de. Ouais, du coup, j'ai regardé. Ouais, un coq pour 8 poules. Hein, moi, 5 coques, j'ai été un peu bas. Hein. J'ai été un peu bas, du coup on va acheter ça avant de finir la vidéo quand même. Il a fini l'autre là? Ah oui, il a fini. C'est bien. Du coup, zone d'achat. Tac. Ouvrir le menu. Alors, ça fait 50 poules pour 50 coques pour voilà, 50 par poulailler. 50 pour 400, c'est bon. Il faut en fait un poule environ pour 8. Un coq pour 8 poules. Alors là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 45. Confirmé. Voilà, et la même chose là-haut. Ouh là là. On est à la limite hein, d'avoir cassé le poulailler. C'est pas bon ça. Non, L3 à chaque fois je confonds. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 46. Voilà. Alors, du coup, c'est bien ça. Coq 49. Ah. Ah. Voilà. Mais du coup, vu qu'on ramasse tous les œufs. Ah ah, faudra que j'étudie ça, mais. Parce que vu que je ramasse tous les œufs. Ouais, là, 52. Putain. Ah, je sais vraiment pas compter, moi. Ouais, du coup, ouais. Mais pourquoi 52? J'en ai vendu 2. Là, j'en ai racheté 1. Je ne comprends pas. Peut-être attendre un petit peu. Ouais. Alors, de toute façon, je serais bien 78, c'est le nombre de poules noires.
Voilà. Elle est blanche. Dans celui-là, j'en ai 25. Donc je serais très bien. Voilà, si ça. Si ben du coup même si on prend tous les œufs, est-ce qu'ils peuvent continuer ou pas? Est-ce qu'ils peuvent quand même se reproduire et avoir des nouvelles poules? Parce que sinon dans ce cas-là, bah, j'achète le reste des poules qu'il faut. Ouais, oh, ouais, ça me dérange. Je sais pas, j'en vends. Ah mais j'ai dû vendre nappe en fait. Ouais, moi je suis arrivé, j'ai vendu comme ça à l'arrache. Je suis sûr. Ah oui, j'ai vendu des poules moi. J'ai dû vendre des poules blanches, les pauvres petites. Allez, les coqs là. Cocorico. Voilà. 1 et 2. Voilà. 1, 2. Voilà. Allons aller. Bah non, je comprends pas. Oh putain, c'est le poulailler là en fait. Le mec, il fait vraiment n'importe quoi. Putain. Là, on est bon. Là où on n'est pas bon. C'est dans celui-là qu'il faut vendre deux coques. Allez, allez. Ah, voilà. 1 et 2. Confirmé. Voilà. Et normalement, là, c'est bon. Putain, mais le gars, que c'est. Mais bon, on sait que ça a 25 et 78. On verra bien du coup si. Est-ce que ça. Ouais, bah, c'est un. Logiquement, si tu prends tous les œufs, du coup, logiquement, ils font pas de. Bah, il doit pas y avoir de poussins, quoi. Mais quand même, on verra bien si ou pas ça peut marcher comme ça ou pas. Sinon, bah, on achètera le reste. Déjà, je rachèterai le reste des poules qui manquent. Hein. Elles sont bien. Après, voilà. Ce genre de poulailler sera revendu. Mais d'ailleurs. Garage. Ah, si, on peut revendre. Hein. Vendre. Ouais, on peut. Moitié prix, mais on peut vendre. Dommage qu'on peut pas se mettre une vue où on voit son personnage. Ouais, c'était pour la petite scène de fin, j'aurais voulu. Et ben du coup, prochain épisode, j'aurai fait pousser ce qu'il faut là-haut. Ça sera poussé. Déjà de sûr, ben on va là faire les bottes là. Ben, ça va être ça le prochain épisode, ça va être. Ah bah non, le prochain épisode ça va pas être ça. Là, je sais pas en fait, hein, ça dépendra en fait. Ce sera peut-être un truc encore mieux en fait. Mais à mon avis, on fera une session bot quand même. Bot d'ensilage. Parce que vu que là en fait, là moi je pars en live. Et du coup voilà. Alors voilà, tous les lives seront à retrouver dans la catégorie de cette saison-là de Farming Simulator. Et en fait, des fois je les mets en non répertorié, alors mais ils sont toujours dans la playlist. Ok? Et ben du coup moi je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu s'il vous plaît. Et ben du coup à la prochaine. Allez, salut salut.